地へ。言い手の通りだ。これより現役フォーメーションセブンティーンに移る。いな。Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un kit alors assez ancien. Donc c'est le kit du VF1S Strike Valkyrie du film Macross Ayoboite Imasuka, ou en anglais Do You Remember Love, édité par Hasegawa, ou 1/72e. Alors une fois de plus, c'est un kit dont je n'ai plus la boîte, hein. Là j'ai juste conservé la tranche donc de la boîte pour l'illustration. Alors ce kit date de 2001, donc c'est un kit ancien, hein. C'est un kit qui a 19 ans aujourd'hui. Il semblerait que ça soit le cinquième kit de la licence Macross édité par Hasegawa. Donc c'est un kit assez sympa au 1/72e qui représente donc le VF1S. Alors en strike, c'est-à-dire avec tout un tas d'équipements, des boosters, un lance-missile ou un double canon, hein. Donc une Valkyrie surarmée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un kit donc qui a priori à l'époque valait donc 2000 yens. 2000 yens, ça nous fait une vingtaine, un peu moins, allez, 18 euros à peu près, 18 euros de l'époque. Ce que je vous propose, c'est de voir la notice immédiatement. Donc notice Hasegawa, donc en noir et blanc. Ici, une photo du kit monté et peint. Et ici, un dessin. Donc ici, un dessin de profil de l'appareil. Donc, avec, alors ça se voit peut-être pas bien à l'écran, mais ici, vous avez les références des éléments supplémentaires posés sur l'appareil pour donc le suréquiper, le surarmer. Alors je reviendrai un peu plus tard dessus, parce que j'ai eu l'occasion également de faire la version Gearwalk de ce kit, mais la version Gearwalk date de 2015, et il y a un certain nombre de détails qui ont été revus. On aura l'occasion d'en reparler en feuilletant la notice, mais par exemple les réacteurs sur le côté sont beaucoup plus réussis, beaucoup plus jolis sur la version plus récente. Ici, alors en japonais, on a des tas de caractéristiques de l'avion, sa date de mise en service, son envergure, et ici le nom de tous les éléments supplémentaires posés pour donc renforcer, améliorer la puissance de feu et de navigation de l'appareil. Donc les notices Hasegawa, hein, c'est toujours des notices en accordéon, tout en longueur. Donc ici les pièces donc en présence. On voit qu'il y a un certain nombre de grappes, hein, étant donné puisqu'il y a les grappes de l'appareil proprement dit, mais également tout l'équipement supplémentaire. Quelques pièces non utilisées, donc les entrées d'air. Là c'est le support pour le gunpod, les dérives, normal puisque le support de dérive est replié sur l'appareil pour pouvoir lui permettre d'avoir son équipement supplémentaire. Donc quelques pièces, hein, qui peuvent être mises de côté. Ici la liste des peintures à prévoir pour faire ce kit. Et là, donc, on attaque le kit. Donc, comme tous les VF, hein, on attaque par le cockpit. Donc, cockpit qui est typé version film. Alors, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que lorsque j'ai fait ce kit, j'ai pris des planches de photodécoupe Hasegawa qui correspondent au film, mais également d'un autre distributeur qui a fait des planches qui, normalement, sont dédiées
à la version télévisée, donc à la version série TV, qui est différente. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc là, on met le siège, les instruments de bord, on referme le cockpit, donc faudra estomper la ligne de collage ici. On place la verrière. Bon, moi, j'ai tendance, la verrière, à chaque coup, il la place dès le début. Moi, je trouve ça un peu risqué. Ce sont quand même des pièces fragiles et transparentes. Donc ça, je mets de côté. Généralement, je la pose vraiment en dernier. C'est la dernière pièce que je pose. Le dessus de la carlingue avec l'aérofrein. Alors ici, pas le choix. Hein. Sur les autres kits classiques, on a le choix entre ouvert et fermé. Là, on est obligé de fermer cette pièce, hein, puisqu'il y a d'autres éléments qui vont se poser par-dessus. Le dessous avec les engrenages et les articulations permettant de bouger les ailes qui sont à géométrie variable, hein, comme le F-14, dont s'est inspiré Kawamori pour faire le VF1, les VF1. Hein, on voit bien qu'il y a une forte inspiration du côté du F-14 dans les lignes. Concernant les ailes, justement, en deux parties, on remarquera ici des toutes petites pièces transparentes. Alors, je peux peut-être plus vous les montrer là. Donc, les phares et les feux de position latéraux. Donc, ensuite, on assemble le dessus, le dessous. On insère les ailes et le cache qui, normalement, est mobile pour la transformation en robot. Le gun pod, alors toujours une ligne à faire disparaître par la suite. La tête du VF1S. Les premiers éléments strike qui... Ah non, non, non. Ah si, il y a les éléments de strike là qui vont sur le dessus, ainsi que les bras. Les dérives, donc qui sont repliées sur le dessus de l'appareil, donc dérives en deux parties. Donc étant donné qu'elles vont être repliées sur le dessus de l'appareil, les codes, les planches de décalco ainsi que les couleurs sont indiquées ici, donc à faire avant l'assemblage parce que sinon après on n'y a plus accès. Donc on assemble le tout sur le support de dérive. Ensuite, on prépare le train d'atterrissage avant. On insère avec tous les détails les volets de fermeture des trains d'atterrissage, hein, parce que le problème avec les kits Azegawa de l'époque, c'est qu'il n'y avait pas le choix. On était obligé de faire la version tarmac, hein, c'est-à-dire avec les trains sortis. Si on voulait faire la version en vol, il fallait ne pas poser les trains, hein, évidemment, mais découper les pièces, mettre de la carte plastique pour les refermer. Enfin, bon, fallait bidouiller, fallait faire du bricolage pour que ça tienne. Je l'ai fait qu'une fois, ça a été vraiment assez difficile. Bon, c'était pas sur cet appareil. Ensuite, les entrées d'air donc qui sont un petit peu décalées, puisque en version strike, les jambes sont un petit peu dépliées pour permettre au matériel massif supplémentaire d'avoir la place. Ensuite, on prépare les trains arrière que l'on place dans les réacteurs. Pareil pour la jambe, pour le deuxième. Ensuite, on met les détails, les volets de fermeture des baies de train, les dérives. Ici, la livrée des dérives, puisque c'est pareil, lorsque ça sera assemblé, on n'aura plus accès à cette partie-là, donc ça c'est les parties intérieures. Ici, bah, c'est l'assemblage des option parts, si on peut dire, de la version Strike, donc avec tous les boosters latéraux supplémentaires, détaillage des peintures, donc pour chacun des réacteurs. Comme je vous disais, notice en accordéon. Ensuite, on attaque les éléments donc, qui sont au-dessus du vaisseau, enfin du chasseur, avec le double canon.
donc qui est articulé, hein, il peut s'orienter. De l'autre côté, il y a le lance-missile. Les réacteurs, alors depuis ils ont changé le système, c'est beaucoup plus pratique puisque là vous avez l'embase du réacteur et on colle le cône derrière le réacteur et ensuite on l'insère donc dans le booster. Hein. Voilà. Le nouveau système est différent. Hein. Il y a un système de polycap qui permet d'emboîter le réacteur et de l'orienter, qui est beaucoup plus pratique. Il y avait d'autres éléments, hein. Par exemple le lance-missile ici est plein, est composé de deux parties. Sur la nouvelle version, ce lance-missile, vous avez donc les deux parties là, mais vous avez une pièce qui vient s'insérer au milieu avec la tête des missiles. Donc comme moi il me restait une pièce supplémentaire d'un autre kit que j'avais fait, j'ai remplacé cette vieille version par la nouvelle. Donc là on assemble les boosters et les éléments supplémentaires. On assemble le tout et on s'attaque à la planche de décalco. Enfin, on s'attaque à la pose des décalcomanies qui est très très complète, hein, comme vous voyez. Surtout qu'il y a plusieurs versions possibles, puisqu'on peut faire la version de Roy Fokker jaune, la version d'Icaru rouge ou la version de Max bleu. Puisque Max pilote un VF1S dans la deuxième partie du film, puisqu'il monte en grade et devient donc chef de patrouille, les VF1S avec le double canon étant réservés au chef de patrouille, contrairement à ce que j'ai fait, puisque j'ai fait une erreur lorsque j'ai monté ce kit. Je vous en parlerai un peu plus tard lorsque je vous présenterai le kit monté et peint. Vous voyez également ici le détail, hein, avec la fameuse bande. Alors, pour ceux qui connaissent que la série, jaune, sinon dans le film, il y a des rouges, des bleus pour Max, et même une verte pour Kakizaki, alias Ben, qu'on voit très peu d'ailleurs dans le film. Donc voilà, mais je ne me suis pas contenté de ça. J'ai amélioré le kit en utilisant donc des planches de photodécoupe que je vais vous montrer maintenant. Alors, les planches de photodécoupe. Comme je vous disais, il y en a de deux types. Alors, on va commencer, on va dire, par l'officiel. Donc, planche de découpe éditée par Azegawa. Donc, bien évidemment, je m'en suis servi, donc elle est entamée. Alors, qu'est-ce que c'est que la photodécoupe? Pour ceux qui ne le savent pas, la photodécoupe, ce sont des planches, hein, comme vous voyez. Ça se présente comme une planche comme une grappe de maquette. Sauf que c'est en métal, très fin. Et que ça permet de reprendre, enfin on va dire que ça permet d'améliorer le quotidien. Ça permet de reprendre certains détails qui sur la maquette n'ont pas été moulés ou sont grossiers. Ce qui est le cas par exemple là, c'est les parties qui supportent les lance-missiles. Ici vous avez l'intérieur des réacteurs, des boosters. Ici, vous avez l'endroit où les ailes, dans la carlingue, où les ailes se rejoignent. Donc, cette pièce-là, quand vous ne l'avez pas, c'est juste vide sur la maquette. Là, ça permet de combler. Ici, vous avez tous les petits éléments qui se mettent autour du nez de l'appareil pour mesurer la vitesse et autres. Donc, en plastique, c'est assez épais. Là, en métal, c'est beaucoup plus fin. Ici, vous avez les volets d'entrée d'air, donc qui en plastique sont moulés. Là, il est possible d'améliorer en collant les pièces en métal par-dessus. Ça affine un peu le fini. Et vous avez d'autres éléments là que j'ai retirés, qui sont les commandes du cockpit avec le manche à balai, enfin pas le manche à balai, mais les leviers d'accélération et de transformation qui ne sont donc pas fournis dans le kit d'origine. Donc, quand vous achetez la planche de photodécoupe, vous avez la planche. Et bien sûr, si j'arrive à l'attraper, le plan pour la photo découpe. Voilà. Si on reprend, je disais donc, ça vous montre là comment plier les éléments, puisque les éléments sont à plat sur la grappe, hein,
Ah voilà, par exemple ici, là, ce tout petit élément-là, je ne sais pas si vous pouvez, si vous pouvez le voir, là, cet élément-là, c'est le levier de transformation de commande. Et donc, vous voyez là, qui montre comment le plier pour ensuite l'insérer dans le cockpit. Vous avez d'autres éléments hein, pour détailler le cockpit. Là, je vous avais parlé des petits éléments permettant de remplacer les volets en plastique assez épais par des éléments beaucoup plus fins. Donc, il faut percer la maquette. Hein, là, ils indiquent hein, 0,5 mm de diamètre. Il faut faire un trou donc, de ce diamètre-là pour insérer les éléments. Ensuite, ici, bah, c'est l'élément dont je vous parlais tout à l'heure pour combler le vide derrière les ailes. Ici, dans les versions Fighter et les versions Strike, vous avez un élément ici qui est censé être fait d'ailettes, hein, comme un radiateur. Donc la version plastique est assez grossière. Et les versions Fighter, bah, c'est simple, il n'y en a pas du tout. Donc, vous avez deux pièces, une qu'on referme comme ça, et ensuite on insère les ailettes une par une, et on la met à l'endroit où se trouve l'emplacement où devrait se trouver cette pièce. Et sur le côté, vous avez également ce qu'on surnomme les grains de café. Donc sur les versions classiques, vous avez juste des décalcomanies. Là, il y a des éléments en métal donc pour donner du relief qui peuvent se coller là. Vous avez également là des éléments pour détailler l'intérieur des réacteurs, le dessus, les fameuses entrées d'air dont je vous parlais, et donc ici tout le détaillage et amélioration des boosters de la version Strike. Donc ça, c'est pour la photo découpe à Zegawa. Et donc, en plus de cette photo découpe, j'ai pris un autre kit. Alors là, évidemment, c'est tout petit, donc ça va être difficile à voir. Voilà. Donc j'ai pris un autre kit de photo découpe. Donc, enfin, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc qui est plus axé, alors je ne sais pas si ça va être très visible, voilà, avec mes gros doigts. Donc qui est axé sur des éléments du cockpit, mais qui est plus la version télé. Donc, vous avez même les écrans, hein, donc voilà, les écrans détaillés et deux fonds d'écran différents. Hop, attention de ne pas les perdre. Et donc, bah, comme toujours, une petite notice fournie avec. Voilà, alors dans ce qui est fourni, vous avez les ceintures des harnais, la poignée du siège éjectable, donc le cockpit. Donc, il conseille de couper les éléments moulés. Mettre le fond en papier, le plastique d'écran, ensuite l'élément en métal reprenant tous les panneaux de navigation. Là, les deux éléments qu'on a coupés sont remplacés par des éléments en métal beaucoup plus fins. Et vous avez donc les éléments de commande de la série télé. Alors voilà, je vous expliquais la série télé. Donc là, vous voyez à l'écran une comparaison entre le cockpit du film et le cockpit de la série. Donc vous voyez, il y a déjà quand même un certain nombre d'éléments différents. Et si on se focalise sur tout ce qui est commande, écran de contrôle, vous voyez que c'est vraiment flagrant, hein, les différences. L'une des plus grosses différences d'ailleurs, c'est que la version film, il n'y a pas de manche à balai pour piloter au centre, entre les jambes du pilote, mais des commandes qui sont latérales, un peu comme le Rafale ou le F-16, pour donner en référence des avions existants. Et le module pour changer de forme l'avion, c'est-à-dire le faire passer de la version Fighter à la version Gearwalk et à la version Batroid. Dans le dessin animé, c'est un sélecteur avec trois lettres, donc A, B ou G, et dans le film, c'est une commande latérale qu'on oriente différemment, comme vous avez pu le voir dans l'extrait vidéo au début de cette vidéo. Et le dernier élément que j'ai rajouté sur ce kit pour l'améliorer, c'est donc le weapon set,
puisque pour les kits Asegawa de cette période-là, que ce soit au 1.72 ou 1.48, si vous vouliez avoir des pilotes et des missiles sur vos fighters, fallait acheter un kit supplémentaire. Donc le kit était assez complet, hein, puisque vous aviez plusieurs jeux de missiles, et vous aviez également deux pilotes. Donc je vais vous montrer hein, rapidement la notice de ce set. Donc ici, une photo d'un modèle monté et peint. Bon, je trouve qu'il fait très plastique hein, quand même. Ici, vous avez les différents types de missiles, puisque vous avez trois types de missiles livrés avec le kit. Vous avez des gros missiles blancs et jaunes. Vous avez des porte-missiles avec 5 missiles dans un support rectangulaire. Et vous avez des missiles classiques que je vous ai présenté sur ma vidéo du VF1S que j'avais déjà fait. Je vous mets le lien là. Donc j'avais donc déjà récupéré le pilote et les missiles pour ce kit là, et j'ai utilisé donc les autres missiles sur ce kit là. Donc on est sur une, même si c'est un kit de missiles, hein, on est sur un plan classique. Les couleurs pour peindre les missiles. Alors là, il n'y en a qu'une seule de représentée, mais on a deux fois la même grappe. Donc ce qui nous donne un ensemble de 12 missiles. 12 missiles, 6 gros missiles jaunes et donc 4 porte-missiles rectangulaires. Voilà, au total, si je ne me trompe pas. Donc ici, on vous indique comment assembler le pilote et l'insérer dans le cockpit, donc en vous disant que les pièces du cockpit là-bas faut les couper sinon il n'y a pas la place pour les mains. Les couleurs possibles suivant les personnages. Ici on vous indique où percer un trou donc de 1 mm, vous voyez c'est même précisé. Donc on vous indique où percer pour placer les armes. Ici comment assembler donc les missiles, donc en deux parties là, plus les placer sur le porte-missile. Ici, donc les AEM-1. Ici, vous avez les RMS-1 qui ont l'air d'être donc des plus grosses missiles, hein, des plus gros missiles, hein, plus puissants. Et ici, vous avez les HMM-01, donc qui est un porte-missile avec 5 missiles prévus. Alors ici vous avez les décalcomanies, puisqu'en effet les missiles étaient livrés avec une planche de décalcomanie. Alors, bien évidemment je les ai j'ai utilisé. Hein, alors sachant que vous aviez les décalcomanies pour les missiles, mais également pour les pilotes. Hein. Vous avez les détails ici des tenues des pilotes. Et vous avez donc les différents ensembles possibles. Donc on vous dit, hein, vous pouvez soit mettre les deux gros porte-missiles, soit un gros porte-missile et deux missiles jaunes et blancs, hein, soit trois jaunes, soit les deux porte-missiles classiques avec les trois missiles de base. Et ici, là, vous avez une représentation d'un VF1A classique, et ici, d'un Strike. Donc voilà pour toutes les options que j'ai ajoutées sur ce kit. Bah, je vous propose de voir le résultat.
Donc voilà le résultat de ce kit upgradé comme je l'ai pu, hein, je vous l'ai dit. Donc il a de la photo découpe pour les détails. J'ai bien masqué les lignes de montage. Hein. C'est l'un des premiers kits où j'ai vraiment utilisé la poutille pour masquer les lignes, celles du nez, celles des éléments supérieurs. Et donc voilà le résultat. Donc un kit assez sympa. À l'autre modification aussi que j'ai dû faire, c'est que il n'est pas possible normalement de le présenter verrière ouvert. Donc ce que j'ai fait, hein, c'est vraiment une astuce toute bête. J'ai pris un petit élément de grappe de photo découpe, hein, que j'ai tordu pour lui faire prendre la forme de la verrière et du cockpit. Et j'ai fait une sorte de charnière et puis j'ai collé l'ensemble de telle façon à ce qu'il porte. À ce qu'il ait l'air ouvert. Concernant le kit par lui-même, pour un kit de 2001, il est quand même bien fait. Hein. De toute manière, les moules pour les fighters n'ont pas changé. Hein. Les pièces sont exactement les mêmes depuis ce kit-là, hein, puisque j'ai fait quand même plusieurs fighters. Certains sont plus récents, d'autres datent de la même période. Mais les détails sont exactement les mêmes. Hein. Non, les choses qui ont changé, voilà. Donc oui, ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est que ce kit date donc de 2001. Donc si l'ensemble du kit, lui, n'a pas évolué avec le temps, lorsqu'ils ont sorti d'autres kits Strike, donc le Gearwalk et le Batroid, ils ont revu certains éléments, dont la façon dont les réacteurs là étaient faits, hein, puisque maintenant il y a un polycap pour lier la tuyère au réacteur, ce qui permet de l'orienter, et au niveau du travail de l'assemblage, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus sympa. Et également, tout l'ensemble des petits réacteurs latéraux là sont beaucoup plus réussis, les cônes sont plus prononcés. Le détaillage aussi au niveau de ce tout petit réacteur, là il y a un détail à l'intérieur alors qu'on voit à peine. Hein. Et donc ça a été revu. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis. Alors un autre élément qui a changé, c'est au niveau du lance-roquette. Alors je sais pas si ça va se voir, je sais pas du tout, mais au fond là normalement c'est complètement plein, c'est vide, il n'y a pas de détails. Et moi j'ai pris la nouvelle version de cette pièce là pour qu'il y ait les têtes des missiles, voilà. Et sinon au niveau du cockpit, niveau du cockpit avec la photo découpe et plein de détails que au final on voit pas vraiment, mais ça passe pas super bien à la caméra, mais bon, c'est toujours assez sympa d'améliorer un kit comme ça. Donc voilà, ça aurait dû être le VF1S, et je vous disais tout à l'heure en début de vidéo que j'avais fait une erreur assez grossière. Je vous avais dit qu'il n'y avait que les VF1S qui possédaient le canon et la fonction strike. Les VF1A, eux, étaient équipés en Super Valkyrie, c'est-à-dire au lieu d'avoir un canon ici, ils ont un deuxième lance-missile comme ça. Et j'ai voulu changer, pas faire un VF1S puisque je l'avais déjà fait, et j'ai voulu faire un VF1A, sauf que bien que connaissant relativement bien Macross, ça c'était un détail qui m'avait échappé, et donc j'ai fait l'erreur de faire un VF1A, là comme vous pouvez voir, hein, c'est une tête de VF1A hein, ça. Alors c'est un VF1A, donc aux couleurs de Maximilian Sterling.
Je me suis référé à un plan, donc mon plan de Gearwalk, hein, qui permettait de faire les A et les S. Hein, sauf que cet élément était bien stipulé dans le plan, mais en japonais, je l'ai découvert qu'il y a quelques temps, grâce à mon ami Yvan West Laurence. D'ailleurs, je vous mets le lien vers sa vidéo sur le même kit, puisqu'il a fait le même kit, mais il y a bien longtemps. Et sa présentation est très bien aussi. Et donc voilà, j'ai commis cette bourde, et si je l'avais commise qu'une fois, non, puisque mon Gearwalk est aussi un VF1A que j'ai équipé en Strike Valkyrie, et Leg Plane que je vous ai présenté dans mes toutes premières vidéos est également un VF1A que j'ai équipé en Strike Valkyrie. Ça retire rien du travail effectué sur la maquette, de la qualité du kit. Hein. C'est juste que les puristes me jetteront peut-être des pierres. Et puis, moi, je m'en veux un peu d'une erreur aussi bête. Mais, comme je vous dis, ça retire rien à l'élégance du kit et du résultat final. Voilà, donc, pour ce VF1A Strike, qui aurait dû être S, donc... au 1/72e par Azegawa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, parce que ça fait quand même quelques vidéos que je fais maintenant, si vous avez des suggestions à me faire concernant des améliorations sur mes présentations ou sur mes vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors sachez que mes vidéos, je ne les prépare absolument pas. Il y a quelques rattrapages que je fais au montage, mais je n'écris pas mon texte à l'avance. Ça peut s'entendre et ça peut se voir, mais je trouve que c'est plus spontané et plus intéressant de faire comme ça que de tout préparer. Alors bien évidemment, les lignes directrices sont prêtes, certaines dates ou autres, je les recherche à l'avance, mais sinon, tout est fait en improvisation. Si vous avez des suggestions à faire, vidéos trop courtes, trop longues, ou des éléments que vous voudriez voir abordés, pas de soucis. Je vous encourage à venir également sur la page Facebook de SebGeek Factory, où vous aurez l'occasion de voir l'ensemble des kits que j'ai fait et également les work in progress, puisque je conserve toutes les work in progress de tous les kits que je fais plus en détail que dans mes vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.